Et salutations, de retour pour un nouvel épisode. Bon visionnage, Oh let's Randy, go. tu es tout pourri. Oh Randy, tout ce que tu fais peut être prédit. Oh Randy, acharne-toi autant que tu veux, de tes frasques, on se rit, tu es le plus claqué des narrateurs et tu finiras dans l'oubli. Et salut Feeder. Merci pour le 4e mois d'abonnement. Merci, c'est gentil. Comment ça va? Ah non, on va pas se mentir, la science passe pas très bien ce soir là. Passe pas très très bien. Je passe un coup de vent. En stream. Après mais ça. Ah, t'es mort parce que t'as été un peu fragile, hein, Thomas, hein. La seule raison pour laquelle t'es mort. Hein. Yep. T'as pas géré la pression. Hein. Vas-y, ça roule à la filière. Merci d'être passé, de bonne soirée à toi. De toute façon, là, je donne pas cher de cette game. Hein. On va attendre, on sait jamais. Ah merde, c'était quoi cette quête là? Ok, on s'en fout. What? Ça dégage. Impatiente. Impatiente, impatiente. Moins 54 à l'extérieur quand même. Et moins 8 ici. Idéalement, faudrait mettre un deuxième chauffage. Je vais pas le faire parce qu'il faut que je garde de quoi réparer mon éolienne. Les composants, je viendrai les chercher dès que c'est possible. Ouais, le stockage, il est full là. Non, les déchets toxiques, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, ce serait d'avoir un petit vendeur là. Il y a quand même peu de chance qu'on en ait un là.
Vêtements lambeaux, comment ça? Non, non, arrête de récupérer les bandeaux. À la guenille. La monnaie. Il y a moyen de s'en faire une nouvelle de guenille. Attends, c'est quoi le matériel? Il a pas pris le cuir, hein? Non. Elle est où? La récupérer direct. Oh, qualité normale, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal du tout. Moins 10 à l'extérieur, à l'intérieur. Sur le com, c'est vraiment important. Il n'y a que de cette façon que je pourrais avoir des blocs. Là, les blocs, ça va nous changer la vie. Même si j'en ai qu'un petit peu pour le moment, je ferai juste le tour de l'éolienne. Qu'est-ce qui se passe? La grippe. Tiens donc. Ok, pas de problème. Qualité 94. Théoriquement, j'ai plus à m'en inquiéter. Ouais, j'ai plus à m'en inquiéter.
Il me faut la vitesse de déplacement. Vas-y, va manger. Ouais, c'est bon, tu peux travailler. Il me reste des gros soins encore là. Ok, on va refaire un gros soin derrière histoire d'avoir un petit peu plus de marge. Soixante-dix-huit. Ah, je vais avoir la console de com et je peux pas la construire. Jour 42. Eh ouais, je peux pas la construire malheureusement, c'est pas grave. Soixante-six composants, c'est un peu beaucoup. La console. Ah non, c'est 120. Ok, la console c'est 120. Et la balise c'est 40. Il me faut 160 d'acier. J'ai 120. Dans tous les cas, il me faudra les deux. Ça, on va le mettre là. Hop, pour le moment, tu le fais pas. Et la console de com, ben ici. Hein. Ah, idéalement, ça serait mieux de la mettre là, mais. Ah ouais, tant que j'ai pas le panneau solaire. Les recherches. Attention, on va toutes les faire. De quoi j'ai besoin en priorité? Panneau solaire. Loup arctique, c'est des sables apprivoisés. Incroyable. Combien tu coûtes? 350. Ok. De toute façon, on peut pas le dresser. Hein. On peut pas le dresser, mais par contre, il va m'aider, surtout qu'il a pas mal de. J'ai pas mal de bouffe. Alors attends, je vais lui faire une petite zone. Il va m'aider sur le prochain raid. Ok. Vas-y, viens ici. Voilà, t'as 4 baladés ici. J'ai beaucoup de viande, on va pouvoir le nourrir. C'est dommage parce que c'est vrai que si j'avais eu. Je crois que c'est level 8 hein, pour le. C'est level 8 ou level 10, je sais plus. Je crois que c'est level 8. Hein. Ah ouais, c'est un minimum. Level 8. Hein. Ok, c'est pas grave, viens à la maison. De toute façon, il va redevenir sauvage à petit à petit. Mais ça va quand même prendre un certain temps, donc je le sacrifierai sur le prochain raid. Voilà. Vas-y, reste ici, tranquillou. Et câble. Comment on va l'appeler? Hiroshibi. Non, non, t'es pas morte, mais là, ouais, c'est la reprise, il est pas facile là. Mais ça se passe. Ça se passe, on a reperdu l'éolienne. Tu as recassé l'éolienne en le construisant.
Ouais. Bon. Pas grave. Et là, on a récupéré un loup. Vas-y, comment tu veux l'appeler? Bon, par contre, ouais, t'attaches pas à lui, hein, parce que il est là temporairement, hein. Kebab. Le respect est mort. Ok, ça roule. Menace utilisée 105. Et ouais, automatiquement kebab. Ouais, bah kebab quoi. Deux raiders. Immédiatement, il se prépare. Ils attaquent immédiatement. Viens récupérer ton arme déjà pour commencer. Désolé kebab, va falloir donner de ta personne. Alors là, on va le forcer à se décaler d'une zone à l'autre pour le forcer à attaquer. Parce que là, il va fuir en fait. Il va fuir directement quand le combat va commencer. Mais on va le forcer à attaquer en jouant avec les zones. Donc là, on peut le mettre dans la zone vidère, que je n'ai d'ailleurs pas faite. Il faut qu'il soit ici. 1, 2, 3, 4. Voilà. Bien dans la zone vidère. Très bien. On a quand même deux bonhommes là. Ah putain, il faudrait pas qu'il utilise son cri sur moi. Ah oui, il faudrait surtout pas qu'il fasse ça. Ah, est-ce qu'il peut utiliser son cri sur ma propre bête? Théoriquement, oui. Par contre, attends, ah ouais, s'il fait ça, par contre, s'il fait ça, je vais voir flou là. Il va bien falloir regarder ce qu'il fait là. Dès qu'il s'arrête. Allez, Chibigo. Ok, c'est pas trop mal. Prends un petit peu de couteau là. Attaque kebab. Ok, il est sur kebab, excellente nouvelle. Excellent, donc Kebab est en train de fuir, comme prévu. Alors non, Kebab, tu ne fuis pas, tu reviens en position. Voilà, on décale les zones, il est encore en train de fuir. Je veux pas qu'il fasse ça. On change de zone, il revient à sa position. Je dois m'inquiéter de toi. Pas besoin. Je préfère prendre du good juice, c'est pas grave.
Là, le goût juste m'aide sur le combat, évidemment. Ah, par contre, lui, il est trop intelligent, lui. T'as pas de ligne de vue, j'imagine. Eh non. Ok, viens ici. Fais une attaque kebab. C'est notre nouvelle. Mets-toi ici. Voilà, kebab. Vas-y, fume-le. Il va sûrement y avoir du friendly fire. Ah ouais, tu viens de tirer sur kebab. C'est pas grave, on fait pas d'omelette sans casser d'œuf. Voilà, c'est bien kebab. C'est bien ça. Ouais, c'est mortel! Voilà, on va aller soigner kebab, on va lui laisser un petit cadavre pour qu'il mange. Ah, d'ailleurs, je crois que tu peux manger les cadavres, toi, non? Kebab, il s'est bien défendu. Ok, impeccable. Attends, sans rien faire. Non, non, c'est bon, kebab, vas-y, tranquille. Tu veux l'enterrer? Ok, vas-y, pourquoi pas. Ah, par contre, remets-moi la batterie. Remets-moi la batterie ici tout de suite. Ah, j'ai plus de place dans le stockage. Ok, c'est pas grave. Installe-moi ça ici. Rien d'autre à recycler. Alors ça, je vais essayer de le vendre si possible. D'ailleurs, il faudrait le mettre ailleurs. Ça également. Ça, je vais essayer de le vendre. C'est pas grave, c'était trop cher de toute façon, fallait détruire. Ouais, il fallait détruire. Sans regret, on a détruit une chemise en hyperfibre. Est-ce bien grave? Nope. Nope. 62 composants. C'est beaucoup trop, hein. Ok, par contre, calme-toi sur ça. Détruis-moi les armes. Du bois. Ok, on est good. Je vais me désinstaller. Le ranger à l'intérieur. Comme ça, c'est pareil. Ok, impeccable. Jeux d'acier, toujours pas assez. Vas-y, donne-lui à manger. Ah non.
Oh, grossiste. Nice. La température est fait moins 31. Ils vont très certainement faire demi-tour. Faites pas ça. Est-ce que je peux lui vendre kebab? Non, je peux pas lui vendre kebab. La chair humaine, ça dégage. Tout ce qui est viande également. Composants 78, c'est vraiment beaucoup. Est-ce que t'as de l'acier? Je pense pas qu'ils vendent de l'acier. Hein. Non, ils vendent pas d'acier. C'est dommage. Peau humaine. Les herbes, je vais en reprendre 3. Wake up, good juice. La bière, c'est bon, je te la vends. La veste en tissu. Ça dégage, le pantalon en synthé, ça dégage. Parka en laine de chameau. C'est pas terrible. C'est pas terrible. Ça c'est bon, c'est vendu. Le cuir, cadeau. Cuir fin, c'est pareil. Tissu, 79 composants, c'est vraiment beaucoup. Là j'ai 1500 composants là. Je vais m'en débarrasser contre de l'acier dès que je peux. 300 balles. Ok, c'est déjà ça. Ah, il se casse déjà, putain. Vraiment. Vas-y, viens manger, mon petit pote. C'est cadeau. Il a déjà mangé? Attends, t'as mangé le... Ok, je pense qu'il a dû manger directement le cadavre. Ouais, certainement. Que je vais déposer mon gun ici. Est-ce que je vais faire ça? Ce serait pas mal en vrai. Vas-y, dépose ça ici. Vu du script, ça serait quoi? C'est pour les musiques pour le téléphone, c'est ça? Je t'avoue que j'ai lu, mais en travers. Vous étiez en train de parler entre vous, du coup. Total Spy. Ronda da Boots. David Goodenhout. Elle a dit quoi, Chibiel? Je suis de son avis. Là, moi, c'est l'intro de Gorillaz.
Ah, ça descend tellement vite. 40 par jour. Capsule de cargo, qui dit capsule de cargo dit débris d'acier. Chocolat 171. Waouh. On verra si j'ai bien le mérite. Ah, vas-y, viens me. Ah, viens me récupérer tout ce que tu peux. C'est cool et je vais pouvoir faire la console de com. Ça, c'est nice. Tout pour moi. Ouais, bah attends, et oh, Chibi. Non, je vais vendre un petit peu. Hein. Et en plus, c'est pas tout pour toi parce que regarde le lapin ce qu'il est en train de faire. Mange chocolat. Tiens. C'est bon, laisse-lui manger un petit carré de chocolat quand même. Attends. Laisse-lui manger un petit carré. Ah, il s'est régalé, hein. Attends, partage. Partage ton chocolat. Non, non, t'as raison, hein. Ah bah non, j'allais le buter, mais j'ai pas d'armes. Un seul alors. Ouais, il s'est rempli l'estomac le fou. Hein. Il s'est rempli l'estomac. Attention à ne pas perdre cette arme. Si je perds cette arme. Ah bah ça pue du chien sévère. Hein. Attends, on est bien avec. Attends, c'est Cassandra ou c'est Randy là? Non, c'est bon, on est bon. Combien j'ai d'acier? 66. Enfin 6 plutôt je veux dire. Ah, ça nous fait 90. Ah, ce qui veut dire que j'ai assez pour faire la console de com et la balise. Ah bah du coup let's go. Une console de com. La 10 blocs. Ah, genre 40, on a la genre 47, on a la console de com et la balise, ça c'est plutôt cool. Bon, j'ai déjà perdu deux fois l'éolienne, par contre ça c'est un peu moins cool. Mais bon. Ah, vas-y, viens manger, y a pas de problème. Construis-moi ça. Par contre, si tu casses cette console, je pense que ça, tu vois ce que je veux dire. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Merci, t'es vraiment une beau gosse. Impeccable. Tiens, vas-y, viens prendre un petit carré de chocolat. Vas-y, récupère, vas-y, 5 carrés de chocolat, allez. Vas-y, régale-toi. Waouh. À 54, on va descendre jusqu'à environ 20%. À 50%, elle va perdre 10 fois sa valeur. Des fois ça. Pourquoi ça descend plus là? En pause? Non, je suis pas en pause. Les panneaux solaires. Ok.
De toute façon, il me faut littéralement rien d'autre, mis à part la lutte anti-incendie. Tout le reste, on fera des recherches pour maintenir un mood élevé. What? Yo, j'étais pas au courant, hein. Son histoire militaire sans regret. Elle a allumé la balise. Oh ouais. Elle est bien allumée, y a pas de problème là-dessus. La balise, on va l'éteindre, y a pas besoin qu'elle reste allumée, ça m'évitera de la réparer. Le principal, c'est que la console reste allumée. Ça, c'est pareil, hein. Déplacer. Non, désinstaller plutôt. Tu peux m'enlever ça. Impeccable. Pour une game solo, t'as pas une autre arme en tête? Voilà, en vrai, pour cette game, cette map, je pense que cette arme, c'est l'une des meilleures. Déjà parce qu'elle me permet d'utiliser la technique de la porte, elle tire assez rapidement sa rafale. Et ensuite parce que... Ensuite parce qu'elle a une très grosse pénétration d'armure. Car le réel problème, ce sera les combats contre les mécanoïdes. Mais par contre, il faudrait qu'elle soit de meilleure qualité. Mais je pense que c'est l'une des meilleures armes. Un fusil à pompe automatique serait bien, mais j'ai pas assez de portée. Un fusil d'assaut, c'est ça serait pas terrible contre les mécanoïdes. Carabine de survie contre les mécanoïdes, ça serait pas le top non plus. Ça serait bien pour la portée par contre. Non, je pense que le fusil à impulsion, c'est une bonne arme. En tout cas sur la banquise. Ouais, je pense que c'est une bonne arme. Il n'y a que la qualité qui est un peu éclataxe, mais le lance-charge, non, le problème du lance-charge, alors c'est une très bonne arme, mais il met trop longtemps à tirer. Je pourrais pas ouvrir la porte et tirer ma balle avant que la porte se ferme. Je crois que c'est 3 secondes pour tirer, ou enfin, c'est comme un sniper, hein, je crois. Mais je crois que ça a une grosse pénétration d'armure aussi, le lance-charge. C'est juste trop lent. Il faut que ce soit rapide à tirer. C'est pour ça que le fusil à impulsion est très très bien. Pénétration d'armure. Voilà, diviser sa valeur par 10. On va continuer. Un peu peur de. En vrai, là, j'ai un peu peur de prendre un raid et ne pas avoir le temps d'aller le récupérer. On terminera de le réduire après la prochaine phase. Là, c'est déjà pas mal. Régale-toi! Ah, ouais, il se régale. Allez, là, donne-moi des blocs, là. J'ai de la thune. 1200 balles. Voilà, je prendrai absolument tous les blocs, hein, même si c'est du granit. Hein. Même si c'est du marbre, je veux dire. Je prendrai quand même. Le marbre, c'est vraiment pas terrible pour la solidité. Voilà, je prends. Déjà perdu 2 fois l'éolienne. Je suis obligé de prendre des risques pour aller le protéger. Niveau moral, ça se passe très très bien. J'aimerais qu'elle me fasse un petit bonhomme de neige par contre.
Les composants 73. Dès que j'ai un vendeur, je vais les trade contre de l'acier. On en gardera une trentaine, pas davantage. Que là, un composant, c'est 32 unités. 70, c'est vraiment excessif. Elle ne touche pas cette viande, c'est pour le chien. Ça, c'est pareil, il va falloir en faire un en bois. Mais j'en ai 39. Ça peut patienter. Lutte anti-incendie. Voilà, tout le reste ne nous intéresse pas. Capsule de cargo. Ok, c'était tout à l'heure. La quête de l'honneur. Ok, je prends. Attends. Ah oui, quête 3 étoiles. Oh, calme-toi. Calme-toi, quête 3 étoiles. Nope. En attendant, la pire fait une demande. Deux Itakin. On va harceler ces caravanes dans cette zone. Elle voudrait que vous leur envoyiez un message de défi pour les inciter à. Ouais, non, je ne vais pas prendre cette quête. 5 bonhommes. Nope. Et oh, pourquoi tu mets ça à l'extérieur? Ok, c'est bon, c'est normal. Faire des petits rituels. Go. Tiens, parce qu'on va on en quelle période? On est en septembre. Ah, deux d'affilée, waouh! Qu'est-ce qui se passe? Troisième? Un troisième? Un quatrième? Non. Moins 42. Allez, le petit dernier pour la route. Ok. En vrai, 3 sur 6, c'est déjà très très bien. On attend qu'il se passe quelque chose. Et salut Masque. Masque. Max. Comment ça va? Ouais, le début de session a été difficile. Et là, la game a assez mal commencé, mais bon, pour le moment, ça tient. Ouais, on a un loup Arctarus, mais comment dire?
C'est un loup temporaire, hein, évidemment. Il va nous quitter il va nous quitter dans pas longtemps, mais pour le moment, il nous aide. Il nous aide et il nous booste pas trop. Un petit peu sans plus, c'est acceptable en vrai. Oui, je suis pas au top à ce qui paraît. Attends, Chibi, comment ça, à ce qui paraît là, tu sous-entends que c'est moi qui suis exigeant, c'est ça, hein? Ah non, mais. Attends, tu vois bien. T'as pété deux fois l'éolienne quand t'as voulu la reconstruire. Tu l'as cassé une fois. Tu l'as cassé une fois de tes propres balles. De tes propres balles. Niveau tir, on va pas se mentir. Ah, tu vois ce que je veux dire? C'est pas grave, tu vas apprendre. C'est pas grave, tu vas apprendre, t'inquiète. Ça va, mais bon. Beaucoup de fatigue. Pas de la faim. Ouais, ça va, Max. Ça va, je te remercie. Mais pourquoi kebab? C'est Chibi, elle a voulu l'appeler kebab. Parce qu'il va finir manger. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, je vois ce que tu veux dire. Chapeau, chapeau. Tomus était meilleur. Et ouais, mais Tomus, il avait 13 ans d'expérience. Il avait 13 ans d'expérience. Donc lui, au bout de 13 ans, il était meilleur. Et là, Chibi, elle vient d'arriver, c'est pas grave. Ah, c'est pas grave, elle va faire ses preuves. Ouais, c'est bon, je suis sûr qu'elle va y arriver. En tout cas, si elle meurt, ce serait quelqu'un d'autre après. Attends, Tomus, quand t'as commencé, t'étais aussi éclaté. Hein. Quand t'as commencé, t'étais aussi éclaté qu'elle. Est-ce qu'on doit rappeler le nombre de fois où tu as perdu l'éolienne? Parce que toi, t'as perdu l'éolienne, t'as perdu les batteries, t'as perdu les panneaux solaires. Ben, c'est arrivé au moins 6 ou 7 fois. Ah ouais. Elle, pour le moment. C'est vrai que. J'avoue qu'elle fait fort, ouais. Elle a fait un départ, elle a fait un départ en trombe, ouais. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ça va se rattraper. On fait ce qu'on peut. Bah ouais, c'est ça. Ah, vas-y, tiens, vas-y. Je te sens un peu fébrile. Mange un petit carré de chocolat là. Voilà. Ouais, t'inquiète, t'inquiète. Par contre, c'est dans les combats, faut assurer. Hein. Il faut que t'arrêtes de casser l'éolienne, hein, Chibi, t'arrêtes. Hein. Oh. Arrêtez de faire ça, hein. C'est la tienne, hein. C'est pas celle de l'ennemi. Hein. Le chef. Faut sur toi. Tirade? Ah non, c'est Arctarus. Faut que tu fasses mieux que Tomus, hein. Attends. En plus, je t'ai laissé deux chances. Après, c'est moi aussi qui était pas trop dans le truc aussi, faut avouer. J'étais pas encore trop trop chaud là. Ah, je le suis pas encore d'ailleurs. Hein. Il a mis la barre, ouais, il a mis la barre très très haute. Hein. Il a mis la barre très très haute. Et je ferai de mon mieux, j'en suis sûr. J'en suis sûr.
En tout cas, j'espère que... Là, ça se reproduira plus, ça. Ça se reproduira plus. En tout cas, j'espère. Ouais, j'espère. J'espère vraiment, parce que putain, c'est la loose. Hein. Faire un run pareil pour mourir d'un coma catatonique, vraiment, c'est... Ouais, c'est un scandale. Hein. Ouais, c'est un scandale. Et par contre, Cassandra, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi, c'est les RTT ou comment ça se passe là? Oula, attention, attention. La température va commencer à remonter tout doucement. Ouais, oui. Ouais. Combien j'ai d'acier? 45. Alors c'est dingue, mais il va falloir faire un climatiseur. Dès que possible. Ouais, ça c'est complètement fou ça. Je vais faire un climatiseur sur la banquise. J'en ai vu des dingueries dans ma vie, mais des comme ça, jamais. Je vais pas perdre ma viande. J'ai pas assez d'acier. Allez, envoie-moi un vaisseau là, putain là. Gico, je reviens plus tard. Vas-y, ça roule. Non, j'ai dit un vaisseau, pas un raid. À plus tard, Thomas. Merci d'être passé. Le gars, il installe la clim alors qu'il est au pôle Nord, j'avoue, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. €0,99. Ils attaquent immédiatement. Alors, qu'avons-nous? Oh. Putain, puis c'est bien stuff ce con là. 15 en tir, waouh! 63 ans. Lavago. Ah, juste de l'asthme. Ok, ça roule. Attention à lui quand même. Attention à lui, ce qu'on va faire. C'est que. Hop, on va déjà déplacer la batterie. Pour commencer. La priorité, c'est le gros tireur, c'est-à-dire lui. Il va faire attention. Le temps il fait ensoleillé. Je vais pas prendre de gauche juste puisqu'il me reste plus que deux. Quoi il tire? Kebab. Petit coquin. Il va avancer. Qu'est-ce qu'il fait? Met le feu à table en boulot. Ok, ça roule. Oh, belle! Belle. Ça, c'est ma championne. Ouais, ça, c'est vraiment pas mal. Rentre à l'intérieur. Et si, Kebab, tu reviens en position. Que fait-il? Ouvre-moi cette porte, ne touche pas à cette porte. Reste à l'intérieur. Kebab, il va attaquer un des deux guignols. Attaque pique à crâne, se déplace, attention à lui. S'il a un gilet pare-balles. Allez, Kebab! Attaque-le, Kebab! Kebab, attaque! Kebab, tu fais quoi, mec? Attaque! Attaque, voyons, Kebab! Me laisse pas dans la merde!
Laisse pas casser la porte là. Kebab, attaque. Putain. Kebab, attaque. Bien sûr, kebab, c'est bien. Feu. Ah, kebab. Allez, c'est bien. Allez, reviens ici. Hop. On le remet en zone loup, on le remet en zone videur. Il va revenir. Ah, oups. Allez. Belle. Entre. Décale. Il va prendre le cover. Ne laisse pas faire. Arrête. Putain. Casse-toi. Plus pas mon éolienne. Allez. Arrête. Putain, j'en ai marre de toi. J'en ai marre de toi. Arrête de tirer sur l'éolienne, putain. Pénible. Vas-y, pète l'éolienne, vas-y, pète l'éolienne, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, mets le feu à l'éolienne, ouais. Ah, vas-y, mets le feu, ouais. Putain! Est-ce que c'est chiant? Qu'est-ce que c'est chiant? Ah, ça me pète les couilles. Recule. Recule. Sans déconner. Ça m'a fatigué en vrai là. Ça m'a fatigué. Là. Compliqué de faire ça en fait. Est-ce que c'est compliqué de faire ça là? Ouais, apparemment c'est compliqué. Ouais. Vas-y, rentre. Ah, ça me gave. Ça me gave. Ah, c'est chiant. C'est chiant en fait. C'est juste chiant quoi. Je peux pas la mettre ailleurs de toute façon. Si je la mets ici, le problème est le même. En fait, le truc, c'est que le focus, c'est l'éolienne. C'est l'éolienne. Peu importe où je la mets, le problème est le même. Et là, c'est bon. J'en ai marre de la réparer, en fait. J'ai pas ressources illimitées, c'est ça le problème, quoi. Là, ça pète les couilles. Ça me pète les couilles. Thank you.
Ces putains de balles à mettre, elle me les met tous sur l'éolienne. Ah, c'est bon, m'envier. Mais ouais, je m'en fous de ton lapin là. Ah, tête avec ton lapin là. Nana, j'ai pas au corps à corps Arctarus. J'ai pas d'aller au corps à corps. Tu vas te blesser, tu vas te prendre une infection, tu vas te faire coucher. Nana, pas de corps à corps. Ouais, ça va te faire. Et je suis pénible en fait. Et je suis pénible. Ce radiateur déjà. Pète les couilles. Allez, mets-moi ce truc-là. Spartiate! Quel est votre métier? D'électricité, j'ai assez d'acier. Nope. Aïe, aïe. Oh, c'est intérieur là.